Saint-Permes-les-Fontaines. L'an dernier, les concurrents avaient rendez-vous à Saint-Mamet-la-Salvetta dans le Cantal pour disputer la Coupe des régions MX 2016 les 27 et 28 août derniers. Organisée par le motoclub de Saint-Mamet sur la rapide et technique piste de Bel Air, longue de 1750 mètres, cette traditionnelle épreuve de fin de saison est le regroupement numéro 1 des pilotes aspirant à devenir professionnels. Ce week-end est également l'occasion de fêter le motocross en France, l'une des disciplines reines de la Fédération française de motocyclisme. Et comme chaque année, de nombreuses régions ont répondu favorablement à l'invitation de la FFM pour le plus grand plaisir de Jacques Boll, son président. Ça fait plus d'un demi-siècle qu'on organise donc cette Coupe des régions qui s'appelait Coupe des provinces précédemment. Chaque ligue régionale, bien entendu, essaye d'être la meilleure. Les meilleurs pilotes amateurs de chaque région sont ici présents. Chaque équipe engage 6 concurrents, 3 en 85 cm3 et 3 en open, dans le but de ravir le super trophée des régions au cumul des 7 meilleurs résultats du week-end. 20 ligues et plus de 115 pilotes ont fait le déplacement pour tenter de décrocher ce titre tant convoité. On essaie de leur proposer une compétition sur un site vraiment de haut niveau. Et chaque année, il y a plusieurs terrains qui répondent et on essaie de sélectionner le meilleur. Ici, on est très content d'être à Saint-Mamet parce que c'est vraiment un équipement de très bon niveau. Et moi, je pense tout à fait que le standard de cet équipement permettrait d'accueillir un championnat de France élite sans problème. Une compétition où les Dom-Tom sont une nouvelle fois présents avec pour objectif le trophée Outre-mer, spécialement dédié à leurs meilleurs représentants. Cette année, on a la Guyane. L'an passé, on avait la Réunion également qui était présente. On a eu souvent la Nouvelle-Calédonie. Ça nous permet d'avoir la totalité de nos ligues régionales de présentes sur cette Coupe des régions. Il faut savoir que l'année dernière, ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas participé à la Coupe des régions. La dernière fois, c'était en 2000. Premier objectif, et c'est vraiment de pouvoir réitérer chaque année notre venue, hein, peu importe l'organisation, peu importe les contraintes que ça implique. On veut vraiment être présent chaque année et puis faire progresser notre ligue avec ses échanges avec la Ligue de Métropole. Donc pourquoi pas une épreuve de championnat de France de motocross, en effet, outre-mer. En tout cas, s'il y a vraiment des volontés communes à la fois de la part de la Ligue et au sein de la Fédération, eh bien, on pourrait l'envisager. En catégorie open, où l'on retrouve des motos MX1, MX2 et 125 cm3, la Provence sera à surveiller de près. Quadruple vainqueur du Super Trophée depuis 2008 et deuxième en 2014, les tenants du titre engagent cette année Tom Vial, Enzo Grégory Garrido et l'expérimenté Yannick Fabre. L'année dernière, j'étais en 2,5, donc ça s'est bien passé. Et cette année, en 4,5, je suis le plus vieux, donc faut donner un peu des conseils, quoi. C'est bien, vu qu'ils m'aident aux traces et tout ça, vu qu'ils sont meilleurs que moi, c'est plutôt bien. Je roule depuis, je suis tout petit à la Provence, donc je suis content d'être là, de défendre les couleurs, et on va tout faire demain pour gagner. Si les Provençaux mettent toujours un point d'honneur à confirmer leur supériorité, les autres ligues ne sont pas décidées à les laisser faire. Victorieuse en 2013, l'Aquitaine sera également un adversaire de poids, tout comme la Bretagne, vainqueur en 2006 et 2014, l'Auvergne de Mehdi Chatin ou encore le Centre. Le jeune Tom Vial ne se fixe pas d'objectif particulier, mais la confiance est de mise. C'est la première année en 250, donc c'est une année un peu d'apprentissage. On a fait le championnat de France élite, j'ai fait un top 5 à la dernière épreuve. Ça se passe bien et je suis content. Lauréate également en 85 cm3 l'an dernier, la Provence n'aura peut-être pas le loisir de défendre ses chances cette année en Auvergne. Plusieurs pilotes ayant été touchés par des blessures, l'équipe junior n'aligne que 2 concurrents après le forfait d'Alexis Fouéry. La tâche s'annonce ardue pour Antonin et Maude, seules filles engagées sur l'épreuve. C'est pas toujours facile de rouler toujours avec des garçons parce que c'est pas le même physique, mais depuis le temps, mais on s'adapte, hein, donc ça va. C'est physique quand même parce que je reviens de blessure, donc je vais essayer de tenir demain. Une fois le tirage au sort effectué, pour répartir les pilotes en 2 groupes distincts, les jeunes loups de la catégorie 85 cm3 sont prêts à en découdre. À la tombée de la grille, le all-shot revient à Sohan Zawi, devant Alex Dietre, Steve Bonal et Antoine Alix. Le normand Alix, qui avait signé le meilleur chrono lors des essais, revient rapidement dans les roues du Picard Zawi, avant de s'emparer des commandes de la course quelques instants plus tard. À domicile, Dorian Souchon et Julien Rabaka sont respectivement 3e et 4e. Grandement encouragés par leurs supporters, les motos 8 et 9 attaquent fort pour revenir sur Sohan Zawi. Mais sous la pression des deux hommes, le pilote de la Kawasaki numéro 59 va chuter au 5e tour et perdre 3 places. Opéré à l'épaule suite à une blessure, l'an dernier, Antoine Alix n'est pas inquiété en tête. Il va s'imposer largement dans le groupe A avec 12 secondes d'avance sur les Auvergnats Dorian Souchon et Julien Rabaka. Dans le groupe B, belle performance du breton Alicio Pinson, auteur du meilleur départ, le pilote de la KTM numéro 14 devance le picto charentais Tony Lopez et l'Auvergnat Pierre Contournet.
Pinson en démonstration dans cette manche alors que le jeune Lopez tente de ne pas perdre trop de terrain. Derrière la bagarre pour la troisième position fait rage entre Cantournet, Prunière et Polias. À trois boucles de l'arrivée, le Breton Pinson s'envole vers la victoire. Derrière, Quentin marque Prunière sur la 48, c'est défait de Pierre Cantournet pour le gain de la troisième position. À l'issue de cette course de 15 minutes plus un tour, victoire pour la Bretagne devant le Poitou-Charentes et le Midi-Pyrénées. Au terme des deux premières manches, 85 cm3, la Ligue Auvergne possède 14 points d'avance sur le Midi-Pyrénées et 17 sur la Normandie. On passe désormais aux courses open. Dans le groupe A, trois ligues se sont distinguées lors de la séance d'essais qualificatives, la Bretagne, le Centre et la Provence. Les conditions de piste sont difficiles en ce dimanche matin. Ils vont le départ avec le francilien Jordi Silva. Après les premiers mètres de course, c'est Alexis Schmitt qui s'est le mieux extirpé de sa ligne. Le pilote de Franche-Comté conserve les commandes de l'épreuve durant les deux premiers tours, avant de se faire déborder par Yannick Fabre. Présent dans l'équipe victorieuse l'an dernier, le Provençal tient à réitérer sa performance en compagnie de ses équipiers. Dans cette course où les équipes peuvent engager des motos allant de 125 cm3 d'autant à 450 cm3 4 temps, l'objectif est d'être le plus régulier possible, la victoire seule ne suffit pas. Pourtant ce n'est pas l'avis du pilote du Centre, Sébastien Pérez, sur la KTM numéro 19 qui attaque comme un damné pour revenir sur le leader et qui s'empare même de la tête de course quelques instants plus tard. Quelle bataille en tête, Pierre Goupillon, le Breton de 17 ans, est revenu dans la roue des deux hommes de tête. Un trio qui restera inchangé jusqu'au drapeau à damier, superbe performance du Centre qui marque 50 points précieux. Scénario quasi identique dans le groupe B avec un trio de tête longtemps composé de l'Auvergnat Enzo Toriani, du Provençal Tom Vial et du pilote du Centre, Dany Vassel. Vial qui tente une attaque sur Toriani et c'est la chute, grosse déception pour le pilote de 15 ans. Il terminera 6e après cette erreur. Victoire donc pour Enzo Toriani devant le solide Dany Vassel et le Normand Nicolas Bizet. Au terme des deux premières manches, open, avantage à la Provence avec 3 points d'avance sur l'Aquitaine et 6 sur l'Alsace. Ligue organisatrice de la Coupe des Régions 2016, l'Auvergne arrive avec une équipe solide tant en 85 cm3 qu'en open. La victoire est en ligne de mire, d'autant plus que le fait de rouler chez soi procure souvent un avantage comme l'ont prouvé la Bretagne et la Provence ces deux dernières années. Oui, bah c'est vrai que c'est toujours une chance de pouvoir être à domicile. Ça crée une énergie pour porter tous les deux équipes. C'est vrai que ça nous tient toujours à cœur de encore mieux représenter notre région quand c'est devant notre public. Et après, il va falloir être intelligent, pas faire d'erreurs. On a eu pas mal d'années un petit peu de disette, quoi. Ça a été long à venir. En fait, je suis coach en Auvergne depuis 15 ans et le niveau a progressivement monté. Vainqueur en 2013 en 85 cm3 avec Tom Battista, Enzo Toriani et Bastien Guillaume, l'équipe auvergnate sait qu'elle a un coup à jouer sur ses terres dans les deux catégories présentes ce week-end. Le pilote progresse vraiment bien. On garde à peu près la même équipe, on va dire tous les ans, mais ça change de catégorie, tout ça, donc c'est cool. Ouais. Cette année, on arrive avec une équipe solide. C'est toute une dynamique, c'est du travail de fond avec le coach, du travail de fond avec la ligue qui joue vraiment le jeu pour accompagner tout le monde. Et on espère être récompensé de tous ces efforts. De suivre les dernières courses 85 cm3. L'an dernier, l'Auvergne s'est inclinée pour un point face à la Provence. Cette année, la lutte est plus que jamais ouverte avec pas moins de 12 équipes qui peuvent encore prétendre au titre. Plus que quelques secondes et c'est parti pour cette dernière course du groupe A. Très rapidement, Julien Rabaca prend les commandes de l'épreuve devant le franc-comtois Charles Pin et le normand Antoine Alix. Mal parti, l'Auvergnat Dorian Souchon effectue une remontée fantastique. Au-delà du top 10 à l'issue du premier tour, le pilote de la KTM numéro 8 pointe rapidement en 4e position. Devant, Rabaca résiste à la pression du vainqueur de la première course, Antoine Alix, pour décrocher une superbe victoire. Tir groupé remarquable pour l'Auvergne qui place Dorian Souchon sur la 3e marche du podium. Plus qu'une course à disputer ce week-end, celle du groupe B. Les Picto-Charentais Tony Lopez et Pablo Métayer sont partis le couteau entre les dents. A l'arrière, c'est la douche froide pour Pierre Cantournet, victime d'une chute lors du premier tour. Démonstration impeccable de Tony Lopez qui s'est constitué un matelas de 5 secondes d'avance environ sur Julien Canet alors que le Midi-Pyrénéen Quentin Marc Prunière occupe une solide 3e place. Dernier virage pour Tony Lopez qui aura su maîtriser parfaitement son effort, il permet à son équipe de terminer 2e juste derrière l'Auvergne. Les héros locaux Rabaca, Souchon et Cantournet s'imposent avec 9 points d'avance et répètent ainsi leur victoire de 2013.
place désormais aux Open. Il reste deux titres à distribuer, le classement Open et le Super Trophée, deux courses décisives pour les différentes ligues. Le All Shot est une nouvelle fois signé, Alexis Schmidt. Dans le paquet, difficile de se faire une place, nous sommes avec Jordi Silva, le francilien, a commencé la compétition il y a 2 ans seulement et ne commet pas d'erreur. Devant, Yannick Fabre a pris les commandes de la course, mais Sébastien Pérez n'est pas loin. Le pilote du centre attaque pour revenir, mais ne va pas avoir besoin de forcer son talent. Fabre cale le moteur de sa Suzuki et voit Goupillon s'emparer de la deuxième place et se lancer à la poursuite de Pérez. Mais ce sera trop juste. Deuxième victoire du week-end pour le centre devant la Bretagne et la Provence. Dans le groupe B, Tom Vial semblait bien parti pour s'imposer, mais un souci dans le dernier tour le contraignait à l'abandon. Le breton Romain Pape en profitait pour décrocher la victoire devant le midi-pyrénéen Brice Mélin et Dany Vassel sur la Yamaha numéro 18. Grâce à des résultats homogènes, le centre s'impose dans la catégorie Open devant la Bretagne et la Normandie. Au cumul des deux disciplines, 85 et Open, ouais, l'Auvergne signe une victoire historique. Les locaux sont allés chercher le super trophée sur leur terre. Être sur le podium, c'était le premier objectif. Gagner, ben, c'est encore mieux, puisqu'on avait été sur le podium en 2013, où on avait fini 3e. Et là, gagner sur ces terres de cette façon-là, c'est vraiment merveilleux. Mention spéciale à la Guyane. À 8000 km de leur terre, les Guyanais décrochent pour la deuxième année consécutive la Coupe des régions Outre-mer. Avec une victoire en 85 et une 4e place en Open, les Auvergnats terminent avec 460 points. La Provence, tenante du titre, échoue à la 19e place sans avoir pour autant démérité. L'édition 2016 de la Coupe des Régions s'achève donc sur la victoire des héros locaux. Rendez-vous en 2017 sur le tracé de Guignon, en Bourgogne, pour savoir si l'Auvergne sera en mesure de conserver sa couronne face à ses adversaires. Bonjour à tous, bienvenue ici à Nogaro pour la dernière manche des Coupes de France Promo Sport. Plus de 300 pilotes, vous allez tous savoir du week-end, il y a des titres qui vont tomber. Moi j'ai préféré le bus, c'est quand même beaucoup plus pratique. Je vais chercher les commissaires, suivez-moi. Et les éclaireurs du circuit ce week-end, les promos seniors, les papis du bitume, ils roulent, ils se font plaisir et se bagarrent. Bref, tout le profil d'un certain Alain Cotard qui pourrait être champion à Nogaro. Rencontre avec le senior des seniors. Qu'est-ce qui m'anime à 62 ans? En fait, c'est une histoire sans fin. Moi, à 16 ans, quelques jours avant de passer mon permis de moto, j'ai vu ma première course de moto à Rouen-les-Essarts. C'était les 6 heures de Rouen et j'ai été envoûté. Envoûté et ça ne m'a jamais quitté. J'en ai fait mon métier, je n'ai jamais arrêté de courir. C'est ma 41e année de licence. Bref, la retraite pour Alain Cotard, c'est pas maintenant. Il y a encore quelques années, la retraite, je ne savais même pas à quel âge c'était, je m'en occupais pas, je ne savais pas que ça existait. Non, c'est pas du tout pour maintenant. Et on peut le croire, ils ont tous plus de 40 ans, mais ils n'ont rien perdu de leur jeunesse, la moto. Et la course serait donc une cure de jouvence, une cure plutôt bonne à Nogaro. Il a suffi seulement d'une course à Alain Cotard pour récolter des points et empocher le titre. Tout ça à 62 ans. Respect, monsieur. Titre de champion de France à 62 ans, je vais pas encore en faire des dizaines après, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, je suis heureux. Bravo, bravo. Allez, on s'envole, destination l'île de la jeunesse et ça plane pour les promos 400. Deux courses au programme du week-end. Enzo de la Vega prend l'avantage dès le début de la première course, mais il est vite rattrapé par Dorian Daré et Valentin Grimoux. Hugo de Cancelis va profiter de la bataille pour prendre la première position. À deux tours de la fin, de Cancelis résiste à de la Vega et Valentin Grimoux, drapeau rouge, chute de Cohen van der Straeden. Position figée, sans gravité pour le pilote. Dans la course 2, Dorian Daré fait la différence dès le départ. Mais Valentin Grimoux va prendre les rênes de la course rapidement. Il joue la deuxième place au classement général face à Hugo de Cancelis. Après quelques tours, Hugo de Cancelis va revenir de nulle part. Le numéro 64, le jeune pilote, revient en flèche depuis la sixième place. En toute fin de course, de Cancelis, Grimoux, Daré roulent groupés. Tout se joue dans le dernier tour pour le trio de tête.
Valentin Grimoud passe finalement la ligne d'arrivée en tête pour 53 millième. Je suis super content parce que l'objectif d'aujourd'hui c'était d'être devant Hugo de Cancelis pour le championnat. Donc maintenant voilà, je suis vice-champion de France et je suis super content. Je remercie tous mes partenaires et voilà, et vivement l'année prochaine maintenant. En promo 500, un titre pouvait tomber aussi dès la première course. Cédric Desmaris signe un excellent départ, mais Romain Pape reprend les commandes pour terminer le premier tour en tête. Sanchez, Cyril Hurum et Ludovic Descours forment un groupe très compact de pilotes. À la mi-course, Sanchez tire son épingle du jeu pour installer sa Honda numéro 31 en tête. Finalement, après une superbe bataille dans le S du lac, Gabriel Sanchez termine la course en tête devant Desmaris qui s'empare également du titre. Troisième place pour Cyril Hurum. Dans la deuxième course, Cédric Desmaris va dominer les débats dans le premier tour et distancer tout le monde. Romain Pape et Gabriel Sanchez restent dans sa roue. Alexis Maignan, le 66, revient également en contact. Le pilote numéro 13 creuse l'écart avec ses poursuivants. À 4 tours de la fin, le pilote de la Honda numéro 35 prend la deuxième place. Au passage, sous le drapeau à damier, Cédric Desmaris coupe la ligne d'arrivée en tête, seul et assoit sa place de vainqueur dans la promo 500. Sanchez termine sur la seconde place du podium devant Alexis Maignan. J'y tenais, j'avais envie, mais bon, hier j'ai pas réussi. Et là, j'ai cherché hier soir les solutions pour y arriver, c'est aujourd'hui, puis ça a fonctionné aujourd'hui. C'était quoi les solutions? Rétrograder une vitesse de moins à certains endroits, essayer de passer plus vite, lâcher les freins avant, et puis ça a fonctionné au chrono aussi. Pour la saison prochaine? On va voir, on va tâcher de faire une bonne saison, probablement 1000, je pense. En promo 600, nous avons retrouvé Alex Sarabérouz avec des problèmes mécaniques. Sa Yamaha tourne sur 3 cylindres, imaginez, pas d'inquiétude pour lui qui a déjà remporté le titre à la Bresse. Être champion de France, un meeting limite avant la fin de saison, c'est plutôt génial, non? C'est vrai que c'est bien, après c'est même mieux parce qu'à domicile, la finale, je pense que s'il avait fallu le jouer ici, ça aurait été dur au niveau de la pression, mais oui, du coup c'est cool. Parlons un peu d'ici à Nogaro. Tu as donc des soucis apparemment sur la moto qui tournerait que sur 3 cylindres. Comme il y en a 4, c'est un peu dommage. Voilà. Elle marche que à partir de 10 000 tours, donc 12 000. Donc je sais pas trop. Là, on a un peu tout essayé. Là, si on parle de l'année prochaine, j'ai ouï dire avec un certain Alain Cotard qu'il y aurait peut-être des ouvertures pour rouler en 1000. Ah, bah si c'est Alain Cotard qui vous l'a dit, c'est que ça doit être. Bon signe, ouais, normalement on devrait aller à 1000 promos si tout va bien et si tout se confirme avec la Suzuki. Ouais. Dans la première manche du week-end, Guillaume Pau et Sayama 69 signent un excellent départ derrière Noël Roussange et Alex Sarabérouz qui imprime également un bon rythme. Dans le troisième tour, Mathieu Thibault prend le meilleur sur Alex Sarabérouz. Il se retrouve alors dans la ligne de mire de Romain Mansa. Devant, c'est toujours une grosse bagarre pour la deuxième place. Billy Cornu, après des gros efforts au freinage dans le groupe de tête, prend la première place. Alex Sarabérouz assure la troisième place devant Mathieu Thibault et Noël Roussange. Dans la deuxième course, on prend les mêmes et on recommence. Pau, Cornu, Roussange, Mansa, Thibault sont à la bagarre. Lucien Bellon réalise une très belle performance et s'empare de la troisième place, puis de la seconde pour aller s'imposer face à Pau dans l'avant-dernier tour. Coup de théâtre, c'est la chute des trois guerriers. Abélan, Doutre, Thibault chute à quelques virages du drapeau à damier, sans gravité bien sûr. Billy Cornu passe la ligne d'arrivée en tête devant Clément Grandzotto et Thibaut Nagorowski. J'ai gagné, je suis super content. Je fais une bonne fin de saison. C'est le top des trois dernières manches, trois victoires, donc je suis super content.
La voilà la catégorie que tout le monde attend, la promo 1000, ici pour la dernière manche à Nogaro. Vous allez tous avoir le résumé complet et les résultats, mais je vous propose tout de suite de partir à la découverte du pilote le plus jeune du plateau, un certain Anthony Alierne sur Kawasaki. Figurez-vous qu'il est né en 1994, ça ne nous rajeunit pas. On est un peu jeune, du coup on n'est pas forcément au début bien vu et tout ça, personne ne nous parle. Et après forcément quand on arrive à montrer qu'on peut être devant, après ça fait des relations et on se fait un peu plus respecter. Donc ça c'est la nouvelle Kawasaki. Il y a eu quelques nouveautés sur le châssis, niveau moteur qui est un peu plus puissant. Donc voilà, c'est une très bonne moto, mais pour l'instant comme c'est une nouveauté qui est assez compliquée quoi. Mais je pense que on commence à trouver des bonnes solutions et que l'année prochaine c'est une très très bonne moto. Voilà, maintenant vous savez tout sur le numéro 4, un certain Anthony Alierne qui nous l'a confié après l'interview. Il veut faire de l'endurance, pourquoi pas les 24 heures du Mans en moto, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On reste dans le plateau 1000 ici avec la seule fille des 1000. On pouvait pas partir sans vous parler d'elle. Ses objectifs, ses ambitions pour l'année prochaine peut-être. Reportage tout de suite avec Margot Van Ham. Très heureuse de ma saison, beaucoup de progrès, voilà, c'était le but d'aller en une promo pour progresser. J'ai gagné énormément d'expérience, j'ai appris à connaître ma moto et c'est une super saison. Au début de saison, j'avais un peu peur que ça se passe mal, je pensais être tout le temps dans les dernières, j'avais passé tout l'hiver à me dire que je serais dernière, finalement ça s'est jamais fait, je me suis toujours bien placée. Et la cerise sur le gâteau, voilà, c'est que j'ai marqué 3 points à Brest, je m'y attendais vraiment pas. Donc objectif podium l'année prochaine? Ah, podium, peut-être pas, mais en tout cas, oui, m'améliorer, elle a continué à progresser, et voilà, essayer de faire la coupe féminine, essayer de faire quelque chose aussi dans cette coupe. Jonathan Hugo, qui joue le titre, prend les devants lors du départ de la première course. Il est suivi de Luc Bibollet et Jonathan Guetschi. Après quelques tours, Guetschi semble plus rapide, mais Bibollet sur sa BMW attaque et fait la différence. Thibaut Duchesne est dans sa roue, suivi d'Anzellini. Dans le dernier tour, Bibollet rétrogradé en troisième place. C'est Duchesne qui mène la danse. Thibaut Duchesne remporte la victoire devant Patrick Majot et Luc Bibollet. Luc Bibollet s'envole dès le départ de la deuxième course. Derrière le leader, on retrouve Thibaut Duchesne. Il est très vite rejoint par Patrick Majot. Quelques tours plus tard, Patrick Majot attaque Luc Bibollet. Le pilote BMW va céder sa place. À trois tours de l'arrivée, Duchesne se rapproche du pilote de tête et Bibollet augmente la cadence. Dans le dernier tour, Majot, Duchesne et Bibollet sont roue dans roue. Le classement ne changera pas jusqu'à l'arrivée de la course. La récompense d'une saison, d'une belle saison, le titre. Première saison 1000 promo sport pour moi, premier titre. Peut pas rêver mieux. Voilà, la saison du Promosport 2016, c'est terminé pour cette année. Rendez-vous en 2017 sur tous les circuits. Quant à moi, je rentre à Paris. Enfin, pas tout de suite.